Bonjour messieurs. Bonjour Jean-Guy. Bonjour Jean-Guy. Quelle heure? Ah bah... 9h31. Bah ouais. 9h31 pétante. Tous les matins, à la même heure exactement, il a le Zeppelin qui veut quitter le hangar. Ouais, c'est dingue. Hein. Une montre suisse. Tu veux que je te dise un truc? Il est réglé comme du papier hygiénique, Jean-Guy. T'as fait exprès? Quoi? T'imagines sa vie à lui, hein? Le matin, 6h31, il se réveille. 6h32, il enlève ses boules caisses. 6h33, il se gratte une couille. 6h34, il déjeune. Et on t'aurait pas 50 centimes, je vais prendre un autre café, je suis non, j'ai plus de thunes, mais t'as qu'à te servir dans la banque Jean-Guy Lecointre. Il est aux toilettes jusqu'à 9h38. Hé, hey, prends-moi un euro. Pratique, hein, la banque Lecointre. Jean-Claude, c'est pas de vie à grâce, hein? Oh, mais si, dis donc. Eh, mais tu sais que ça m'étonne pas, parce que moi, j'ai rêvé que je me la tapais, Madame Lecointre. Et même en rêve, elle est très, très exigeante, hein. Fais-moi rêver. Alors, bon, moi, j'ai été en levrette, là, tu vois, confort, hein. Et tu sais pas ce qu'elle me disait, la coquine? Elle me disait... Oh, Jean-Guy. Mais non, c'est moi qui étais là. Elle me disait, oh, Jean-Claude, fais de moi ta... Jean-Gris, Jean-Guy, il est déjà 9h38. Jean-Claude, vos histoires graveleuses, vous les gardez. T'es pas un lupanard, ici. À tout à l'heure, Jean-Guy. Ouais. On va pas dire ça à ta femme, hein. Oh, quoi? Putain, fais voir, dis donc. C'est moi qui les ai trouvés. Oh, allez, on partage, quoi. Ah, messieurs, vous n'avez pas vu des bonbons? J'ai laissé tomber mes bonbons. Des bonbons? Ah oui, tout à l'heure, le coursier, il a trouvé un paquet de bonbons et il les a ramenés à ses gosses, il nous a dit. Et il les aime, ces gosses. Ah oui, il les aime. Gosses, mais c'est une catastrophe, une catastrophe. Oh, bah, attendez, Jean-Guy, calmez-vous, c'est que des bonbons. Hein, si vous êtes en manque, on vous en offrira. Mais détendez-vous, Jean-Guy, vous êtes tout tendu comme une trique. Mais des gosses, mais ils risquent une implosion. Oh. Ouais, Jean-Guy. Allez. Bon, je vais. Eh, hey, oh, ouais, là où tu veux. Aïe, aïe! Demain, t'as aucune chance! Eh, dis-moi, Hervé, j'ai essayé hier les bonbons de Jean-Guy. Wouah, mon pote! Eh, bite en bois, camin! Toute la nuit, j'avais le chapiteau dressé et tout. Trop du ballon! Et toi alors? Hein? Ouais, j'ai essayé. Ouais. Et tu sais qu'à la fin, ça me faisait mal, j'étais obligé de dire stop, hein. Oh là là. Bah, moi aussi, j'ai dit stop parce que. Bah, je suis tout seul, Jean-Claude, moi. Tout seul dans mon lit avec mon rôti de veau, là. Comme un con. J'en ai marre d'être seul, moi. J'en ai marre, hein. Allez, c'est pas grave, tu vas trouver quelque chose, hein? Dis-moi, tu mens encore, là? Ah ouais, j'ai un petit reste, ouais. Bah, j'ai bouffé tous mes bonbons, moi.